Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de l'importance de ce qui nourrit ton intérêt au quotidien et du sens que tu souhaites donner à ta vie. Quand j'écoute parler les gens autour de moi, j'entends beaucoup de personnes qui partent en dépression ou ressentent en tout cas un profond mal-être. Je suis moi-même passée par ce genre de période pas très cool et je t'explique comment je suis sortie de tout ça, entre autres grâce au voyage. Pour ce thème plus sérieux, je t'ai choisi un joli décor. Je t'emmène voyager avec nous au cœur des Cyclades, sur l'île de Paros. C'est parti! Peut-être que toi-même, en ce moment, tu te rends compte que ta vie défile, mais qu'elle n'a pas de consistance, pas de sens, en tout cas pas celui souhaité. Tu fais les choses parce qu'on t'a incité ou parfois même obligé à les faire, alors que ce n'est pas en accord avec tes valeurs profondes. Avec Dimitri, on a aussi connu ça. On était destinés à un chemin tout tracé. Il nous attendait, il était juste là, devant nous. Alors on a eu la chance de faire de plutôt longues études, droit pour Dimitri et tourisme pour moi, et il était logique qu'on continue sur cette voie. On a d'ailleurs tenté de s'y acclimater, chacun dans nos domaines respectifs. J'ai travaillé dans des châteaux à Bordeaux. C'était beau, c'était prestigieux. Ça faisait bien sur le CV et en société quand on te demande ce que tu fais. Et pendant ce temps, Dimitri, lui, il essayait de passer le barreau. C'est le concours d'avocat. Donc tu vois, on était bien rangés dans cette case prometteuse, mais tout ça manquait cruellement de sens pour nous. Ce n'est pas ce qui nous correspondait, ce qui nous portait, ce qui nous motivait. Ça ne correspondait pas à ce qu'on voulait pour notre avenir et notre épanouissement. Et c'est pour ça qu'on a pris le risque de changer complètement de chemin, de nous extraire de cet étau et de chercher à vivre plus simplement, en donnant le sens que l'on souhaite à nos actions quotidiennes pour qu'elles soient directement accordées à nos valeurs fondamentales. Tu peux répéter ? En gros, si tu aspires à la découverte de nouvelles cultures, de nouveaux environnements, à la liberté physique et mentale, au voyage, eh ben tu ne seras pas épanoui et tu seras même mal dans un environnement conditionné, trop réglementé, dans un quotidien routinier, sans surprise, avec peut-être une hiérarchie au travail qui décide du rythme de ta propre vie, dans une société de consommation de masse et tout ce qui va avec. Alors tu vas me dire, bon ok, mais c'est la vie de beaucoup de personnes, on fait pas toujours ce qu'on veut, je subis, c'est vrai, d'accord, mais moi je peux pas faire autrement. Mais ça, c'est justement ce qu'on te pousse à croire et c'est ce qu'on appelle tes croyances limitante. Alors il faut savoir que notre fonctionnement émotionnel est régi en grande partie par nos valeurs. Tout est lié. Donc soit tu agis au quotidien en accord avec tes valeurs profondes, et dans ce cas ton cerveau t'enverra des messages positifs, de bien-être, soit tu décides de les enfouir, de ne pas les écouter et d'en considérer d'autres qui ne te sont pas propres. Et dans ce cas, ton cerveau va te dire « Attends, tu déconnes là. Tu sais que pour me sentir bien, j'ai besoin de nature, de calme, de découverte. Et là, tu m'imposes un rythme infernal dans un boulot tout pourri qui me plaît pas du tout. Dans une grande ville, t'es pas sérieux. Je vais pas tenir longtemps. Quelques années tout au plus. Et encore, le cerveau a fini de parler. » Tu finis donc par être rempli de sentiments négatifs. Et si tu arrives à vivre quelques temps en désaccord avec toi-même, ça risque de ne pas durer. Et surtout, cette négativité risque de t'envahir de plus en plus. Et dans tous les domaines de ta vie. Super, hein? Beau projet. Alors maintenant, tu vas me dire quel est l'intérêt de s'infliger ça pour notre courte existence. C'est donc super important, à mon sens, de chercher de quelle manière aligner au mieux sa tête, son corps et son cœur. Mais pour ça, il faut d'abord en prendre conscience en acceptant que ce n'est pas ce chemin que tu as choisi actuellement qui va te faire grandir et évoluer positivement. Alors t'inquiète, il y en a plein d'autres. Rassure-toi. Et pour ça, il faut arrêter de se mentir. Et il faut arrêter aussi de continuer à se persuader que finalement, on n'est pas si mal. Tout ça parce qu'en fait, le changement et l'inconnu, ça fait peur. Petite parenthèse, si tu nous découvres avec cette vidéo, tu peux t'abonner à notre chaîne et cliquer sur la petite cloche pour être au courant des prochaines publications parce que je vais continuer toutes les semaines à te partager des idées, des conseils, des réflexions sur le fait de se lancer dans le voyage, de changer de vie, mais aussi comment organiser concrètement un tour du monde. Bref, plein de choses diverses et variées. Donc si ce petit programme t'intéresse, abonne-toi pour nous suivre. Alors c'est aussi important de prendre conscience que le temps défile très vite et ne revient pas. Donc toutes ces années que tu passes à agir contre toi-même, c'est autant de temps de vie de perdu. D'où l'urgence de te réveiller si ta situation actuelle ne te convient pas. Connaître tes valeurs et t'autoriser à vivre en les prenant en compte
pleinement va donner du sens à ta vie. C'est à travers ces valeurs que tu vas développer ta propre unicité, ce pourquoi tu es réellement fait, et cela va tout simplement te permettre de te sentir bien au quotidien. Parce que oui, tu es un être unique, donc tes besoins, tes valeurs, tes choix t'appartiennent. Plus tu vas réaliser des actions qui viennent nourrir tes valeurs, plus tu vas développer ta confiance en toi, ton bien-être et ton alignement. Aussi, souvent de manière inconsciente, tes valeurs vont influencer chaque décision que tu vas prendre. Donc les actions qui découlent de tes décisions mais qui ne sont pas en harmonie avec tes valeurs vont provoquer des conflits intérieurs. Concrètement, tu vas te sentir obligé de faire quelque chose que tu n'aimeras pas ou tu ne seras pas motivé du tout. Tu peux aussi dans ces cas-là ressentir du stress ou avoir le sentiment de ne pas te sentir à ta place. Donc plus tu es aligné avec tes valeurs, plus il sera facile pour toi de trouver le chemin intérieur que tu souhaites prendre, toi. Pas ton voisin, pas ton pote, pas ta famille, toi. Et tout ça afin d'accéder à ta propre liberté et à ton épanouissement personnel. Quand on a commencé à voyager, on avait 23 ans. On n'avait pas vraiment conscience de ce système de valeurs. On a juste agi en écoutant nos besoins sur le moment, un peu comme si on pouvait mourir demain. Et puis on s'est jeté à l'eau, sans vraiment savoir ce qui nous attendait. Et on a par la suite rejoint les rivages qui nous attiraient et laissé ce qui nous repoussait. Mais ce qui nous a marqué dans cette toute première expérience de voyage, c'était donc au Canada, c'est à quel point on se sentait léger, libre, heureux, rempli de sentiments positifs, même dans les situations compliquées. En fait, on se sentait un peu comme soulagé d'un poids. Perso, j'avais jamais connu cet état avant de commencer à voyager. Alors est-ce que c'était le poids d'une société qui nous convenait pas? Peut-être. Est-ce que c'était le poids en moins d'un projet de vie qui nous motivait profondément et des regrets qu'on n'avait plus? Sûrement. En tout cas, c'était certainement la légèreté de l'alignement entre nos têtes, nos corps et nos cœurs. Et c'est bien cet alignement-là qu'on continue en permanence de rechercher avec cette sensation de liberté qui va avec. Mais attention, nos valeurs sont personnelles et personne n'a à les justifier auprès de personne parce qu'elles répondent à nos besoins uniques et propres à chacun. Il n'y a aucun jugement à porter sur celle des autres. D'ailleurs, je pense que c'est en gardant son énergie pour se concentrer sur soi-même et sur ce qu'on veut réellement pour notre propre vie qu'on avance plutôt que de s'occuper de celle des autres. C'est déjà un énorme boulot et un bon bazar dans notre propre tête. Alors celle des autres, hein, franchement, ce sera pour une autre fois. Alors pour conclure, c'est donc en connaissant tes valeurs que tu vas pouvoir adopter les comportements adéquats. C'est en accordant tes valeurs et tes comportements que tu atteindras la réussite de tes objectifs et le bonheur. Alors arrête de prétendre que le plus important pour toi, c'est la liberté et le voyage. Si tu passes par exemple 15 heures par jour dans un bureau, dans un job qui te convient pas du tout, il y a un moment, il faut que tu sois honnête avec toi-même et que tu assumes tes choix jusqu'au bout. Alors je suis d'accord avec toi, toutes ces explications sont bien jolies et bien logiques en théorie, mais parfois, souvent, elles sont difficiles à mettre en place concrètement. Alors maintenant que tu as compris un peu ce qui se passait dans ta tête et pourquoi il est urgent de se réveiller, si tu veux que ça change dans ta vie, il y a une méthode très simple et super efficace dont je me sers moi-même quand mes besoins évoluent pour être sans cesse au plus proche de ce à quoi j'aspire vraiment. Je te fais une petite vidéo à ce sujet très prochainement pour que toi aussi tu puisses connaître et déterminer tes valeurs fondamentales. Si tu veux toi aussi en savoir plus sur ces valeurs qui nous motivent pour toujours être en phase avec nos besoins, pour recevoir nos conseils de voyageurs, pour t'aider à dépasser tes blocages et démarrer toi aussi l'aventure qui donnera du sens à ta vie, tu peux télécharger cette mini formation gratuitement. Elle est composée de 3 vidéos dont une qui te donnera 7 clés essentielles pour réussir ton tour du monde. Je te livre aussi beaucoup d'autres ressources mais je te laisse les découvrir par toi-même. Voilà, si tu veux, tu cliques sur le lien là-haut ou dans la description de la vidéo. Tu prends ou tu prends pas, c'est cadeau, c'est toi qui vois. Moi, je te laisse avec ces quelques belles images de notre quotidien en ce moment, celui qu'on a choisi, pas celui qu'on subit. Et ça, pour la simple et bonne raison que la seule façon de réaliser ses rêves, c'est de les vivre. Je terminerai donc avec cette belle citation de Gandhi qui résume, je trouve, parfaitement cette vidéo. Le bonheur, c'est lorsque nos pensées, nos paroles et nos actes sont en harmonie. C'est beau et c'est tellement vrai. Je te dis à très vite. Ciao.